Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit hic pour personnes souffrant d'une faiblesse sexuelle. Pour la petite séance d'aujourd'hui, tu auras simplement besoin d'un tapis, de ta motivation et sans oublier ton kit brûleur de graisse. Alors, j'active mon métabolisme et je stimule l'action de l'insuline. À ta santé. Alors, pour le premier exercice, on va tout simplement faire les fentes de là et on va lancer la jambe au maximum qu'on peut. Donc là, et on revient là. Comme ceci. On tient bon. Là. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Tu vas à ton rythme, même si tu ne descends pas complètement. Même si la jambe s'arrête là, mais le but c'est d'arriver au bout. Là. Là. N'oublie pas de bien souffler. Parfait. On souffle 20 secondes. Et sache que pas à la même occasion, si tu as besoin d'un coaching personnalisé, je peux t'accompagner dans ce sens. En fonction de tes attentes, je peux te donner aussi par la même occasion un suivi alimentaire qui ira dans le même sens. Prochain exercice, on va tout simplement faire des jumping jacks, comme ceci. Là, on souffle bien. Comme ceci. Si c'est trop difficile, c'est pas grave. On est là, comme ceci. 1, 2. On pense à bien souffler. Là, là, on souffle bien. Parfait. On récupère. Lors de la récupération, c'est l'occasion pour toi de boire ton kit brûleur ou de l'eau. Alors, prochain exercice, on va passer au sol. On va tout simplement faire réaliser ici des pompes. Ok? Donc, je voudrais que tu te mettes. Que tu ressens de ta poitrine. Donc, on est dans cette position, tu restes bien droit, tu ressens la poitrine, tu gagnes les abdos et tu descends. Là. Tu souffles profondément, tu descends là et tu pousses. Doucement, on contrôle le mouvement là et on pousse sur la montée. Ok? Si c'est trop difficile pour toi, tu mets les genoux là et tu descends. Là. Comme ceci. Ok? On souffle 20 secondes. Alors, et le prochain exercice, on va commencer à faire des fentes. On va faire des fentes différemment. Donc, on va se mettre dans cette position. Et on va tout simplement aller sur les côtés, là, comme ceci. Ici, je précise, il faut pousser tout ton bassin à l'arrière, là. Tu descends à ton maximum et tu reviens. Là. On souffle bien. Parfait. On tient bon là et là. Parfait. Alors, le prochain exercice, on va passer au sol. Et ce qu'on va faire ici, on va tout simplement faire des petits battements là. Ok? Ceci aura pour but d'éliminer la graisse au niveau du bas du ventre. Donc, on est dans cette position. Là. Comme ceci. On n'oublie pas de souffler. Parfait. Si c'est très difficile, n'hésite pas à marquer un petit temps de pause. Ou voilà. Mais le but, c'est de continuer. On doit vraiment aller au fond, à fond quoi.
Va. On tient bon. Parfait. Alors, prochain exercice qu'on va faire, on va faire des jumping jacks, mais en cette fois-ci en position de planche. Ok? Donc, on se met en position et c'est parti dans 3 secondes exactement. Donc, on est là. Jumping jack. Là. Si c'est trop difficile pour toi, c'est pas grave. 1, 2, 1, 2. Et tu penses à bien souffler. Tu gagnes des abdos au maximum. Et on est parti là. Comme ceci. On n'oublie pas de bien respirer. Très bien. Va. Là et là. Très bien. On récupère. Alors, le prochain exercice qu'on va faire, on va tout simplement se mettre dans cette position et on va venir essayer de toucher le sol. Donc, je suis là. Je viens toucher devant moi. Ok? Je viens toucher là devant. Là. Très bien. On souffle bien. On tient bon. On travaille en même temps les abdos. On renforce la sangle abdominale. Là. Parfait. Alors, on va passer au deuxième round. Donc, on va nous passer sur le premier exercice. Ouh. On récupère un peu. Alors, prochain exercice, on est parti sur des fentes et on lance la jambe. Là. Là. On souffle bien. J'insiste encore là-dessus. N'oublie pas que le contenu de ce que tu manges va booster le résultat que tu attends. On souffle bien. Là. Ouh. Parfait. On récupère et on va passer sur des jumping jacks. Alors, sinon, comment vous allez? Ça va avec les vidéos? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse résoudre le problème. Alors, prochain exercice, jumping jack. Si c'est trop difficile, pas de souci. Là et là. Là et là. Comme ceci. On pense à bien souffler. Là. On tient bon. On n'oublie pas de bien respirer. Parfait. Alors, prochain exercice, on va passer sur des pompes. Le but des pompes ici aura pour but ici d'activer vraiment tout ton cardio et par une occasion renforcer tes muscles, tes pectoraux et beaucoup plus tes triceps. Donc, on se met en position là, je ressors la poitrine, je gagne les abdos, je garde le dos droit, je descends, je pousse brutalement sur la montée et je contrôle la descente là. On n'est pas pressé, on prend son temps. Ouh.
On souffle bien. Trop difficile. On met les genoux là. Et on descend. Parfait. Alors, prochain exercice. On va passer au sol. Hop. On se met en position. Allez, c'est parti, là. On tient bon. Si c'est difficile, si tu n'as jamais fait ça, tu peux poser un pied au sol. Là, tu lances là. Comme ceci. Là. Ok? Et le but ici, en fait, c'est vraiment de ne pas mettre les pieds au sol, en fait. Donc, là, quand tu es dans cette position, tu travailles encore deux fois plus. Ok? On tient bon. On récupère. Et le prochain exercice, on passe sur du jumping jack. Dans cette position. Allez. C'est parti. On souffle bien. On tient bon. Cet exercice aura pour but de renforcer aussi ta sangle abdominale. Donc si c'est difficile, là. 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 Et là, et tu sens que on travaille aussi par la même occasion les épaules. Ok? Là, là et là. Bravo! Alors, c'était tout pour cette petite séance. N'oublie surtout pas de refaire ces exercices au moins 3 fois dans la semaine en associant, bien évidemment, ton kit brûleur de graisse qui va comme ça favoriser une très bonne circulation sanguine au niveau de tous tes organes. N'oublie surtout pas de t'abonner et de partager la vidéo pour qu'elle arrive aux bons concernés. D'ici là, porte-toi bien et toujours au rythme du sport.